à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fin de notre display de écarlate et violet. Et oui, troisième partie, les 12 derniers boosters, on va se les ouvrir aujourd'hui. Moi, je vous avoue que je tourne direct à la suite de la partie 2. J'ai trop hâte de savoir ce que va nous donner la fin du display. On a eu vraiment de très belles cartes dans les deux premières parties, donc je vous invite à aller les voir évidemment. Et du coup, comme toujours, j'ai acheté ce display sur la boutique de Pokémon, ce qui est la boutique partenaire de la chaîne. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Et vous avez un petit code promo qui vous donnera un petit cadeau dans vos colis. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Je rappelle aussi au cas où, mais j'ai un Vinted où je vends quelques cartes Pokémon. Pareil, n'hésitez pas à aller checker. Et dernière info, sachez que j'ai un petit partenariat aussi avec Whatnot, qui est une plateforme d'enchères et de vente de cartes, et où je fais des lives de temps en temps pour mettre des cartes aux enchères, faire des petits giveaways, donc des cartes à gagner, des boosters aussi de temps en temps. Donc n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description et vous pouvez avoir 15€ sur la plateforme, donc n'hésitez pas à utiliser mon lien aussi. Sur ce, j'ai assez parlé, on va ouvrir ces 12 derniers boosters du display et c'est parti. Allez, on perd pas de temps avec les 12 boosters, on commence déjà avec le premier. Pareil que pour la partie 2, je suis un peu désolée pour la luminosité, mais il fait pas beau du tout aujourd'hui et j'ai pas trop le choix avec mes lumières de faire comme je fais actuellement, donc j'espère que ça vous va. Normalement vous voyez quand même les cartes, donc ça devrait le faire. En tout cas, on cherche toujours un petit garde-voir parce qu'il y en a quand même 3 dans la série, de 3 raretés différentes, et j'en ai eu aucun. Oh, Motorizard, je l'avais pas vu cette illustration encore, elle est trop belle. Ah, j'adore, je préfère celle-ci que l'autre qui est en holographique pourtant. Ouais, celle-ci elle est vraiment magnifique. Bandeau Vitalité, ça a l'air saine, on l'avait pas encore vu. Il est dans les égouts là. Pardon, vous voyez rien. Il est dans les égouts, mais il est grave stylé. Ah, j'aime beaucoup. Ah, il est trop beau. En tout cas, comme. Mais non. Mais non. Mais je suis nulle. On a eu la Tarsale. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente, on a eu la Tarsale. Oh, bon, bah, juste avant quand même, un petit colossinge reverse, hein, il existe, ce serait bien de le montrer. Mais what? On a eu la Tarsale. C'est la carte marque comme ça que je veux trop aussi, du coup. Mais en vrai, j'aimerais trop avoir les 3 parce qu'il y a la Tarsale, la Kyrgia et la Gardevoir. Et en fait, on voit l'évolution de la famille qui emménage et tout, et j'adore le principe. Oh, ah, je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. Non mais par contre, je suis désolée pour le suspense de merde que je viens de vous faire là. Mais what? Oh, trop bien. Mais à chaque fois, on commence ultra fort avec le premier booster, quoi. Ok, recherche professorale après. Oh là là. Ah, ça fait... Oh, je suis trop contente. Ça y est. Ce display est génial. Ce display est vraiment, vraiment génial. J'aime beaucoup. Hop, allez, on passe juste devant la première. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez eu, vous en avez eu, qu'est-ce que vous avez eu comme carte et tout. On a petit Motisma. Oh, le vénère de Sui. Là, j'y mets un doute sur Sui parce que c'est pas exactement pareil, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave, très joli quand même. Super bonbon. Patachio, il est trop mince. Il est trop mince. Oh, bah, l'euphorie là, très jolie l'illustration aussi. Hein. C'est une peu commune, mais magnifique. Nigirigon. Ensuite. Pas encore. Là, c'est Jack. Jack. Pardon. Non, mais je comprenais pas parce que normalement, c'était une reverse et ça brillait pas, quoi. Genre, voilà. Bon, Hyperball à l'envers. Ah, c'est comme quand vous me faites le jeu à l'envers sur Twitch, quoi. Hein. Ensuite, est-ce que l'autre est à l'envers? Non. Pietassé, on n'avait pas cette illustration encore. Je sais pas pourquoi elle était à l'envers, cette carte. Ok, en reverse. Et derrière, nous avons... Oh, bah Vrombotor, holographique en rare. Et bah écoutez, je ne l'avais pas, j'avais eu que la reverse de celle-ci. Donc bah, ça fait plaisir de l'avoir en holo, quoi. Tout simplement. Hop là. Après, maintenant, les rares, je les mets avec les autres parce que du coup, elles ont rien de... À part le fait qu'elles soient toutes holo, elles ont rien vraiment de spécifique. C'est pour ça que je pense pas que je vais les mettre dans les récaps de vidéos. Ensuite, donc, énergie, oh, Pietassé, j'avoue que je préfère celle-ci quand même. Le Vrombi, comme on a eu Vrombotor, Magikarp, Magnéti, ensuite Famignol, trop mignon. Oh, bah, Croco-Grille, j'arrive pas à dire le nom de ce poké, je l'aime pas du tout, ce starter. J'aime que Chocholil, de toute façon, dans les évolutions, là, mais je l'avais pas eu. Bon, après, l'illustration est quand même assez sympa. Oh, Florge, pareil, je l'avais pas vu. Elle est très jolie, j'aime bien.
Très très joli. On a petit Topico en reverse. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Non. Oh bah le Démolos en reverse, il rend ultra bien quand même. Hein. Oh, franchement magnifique. Hein. J'aime beaucoup. Et derrière du coup, nous avons un petit motorisard holographique. Alors par contre, toutes ces holos me font utiliser beaucoup plus de sleeves qu'avant. Hein. On va pas se mentir. Je sais pas si c'est bénéfique. Hein. Je sais pas si c'est bénéfique. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à me dire aussi bah, si vous préférez cette nouvelle version des cartes Pokémon avec les bords gris, le fait qu'il y ait deux reverse, etc. Ou si vous préfériez l'ancienne avec les bords jaunes et tout, quoi. N'hésitez pas à me dire. Moi, j'avoue que j'ai une petite préférence pour les bords gris, hein, finalement. On a Pomme de Pique qu'on n'avait pas encore vu. Oh, bah le flottillon, on n'avait pas vu cette illustration, je crois. Grave mime, j'aime beaucoup le ciel derrière. Chochodile, qui lui est mignon, comparé aux autres. Matourgeon, Multi-Exp, Dolman. Ensuite, nous avons un petit Ferro-Singe en reverse. Derrière, un petit Riolu reverse. Et en dernier, Peau Marmotte en holographique. Allez, booster suivant, on enchaîne. On traîne pas forcément. Hop là, nous, on veut du Gardevoir, j'ai dit. Non, en vrai, faut compléter la collection dans tous les cas. Donc, on veut des nouvelles cartes. Tissamboule. Ensuite, nous avons Attrape Pokémon, Flingouste. Mais on commence à avoir fait le tour hein, des peu communes et des communes. Olivado, Grotanemorph. Par contre, lui, je crois que je l'avais pas encore. Mais attendez, c'est un BK glaçant qui est là? Ah non, peut-être pas. J'ai cru. Non, non, j'ai cru, mais pas du tout, en fait. Prismillon, très, très joli. Très, très joli. Ensuite, ah, oh, Briochien, j'adore cette illustration. Elle est trop belle. Pania en reverse. Ensuite, derrière, nous avons Petit Levenard reverse. Et en dernier, hop, Flamigator. Flamigator qui est... Bah, je sais pas. Franchement, j'ai un doute. Entre Gorythmique ou Flamigator, quel est le starter que j'aime le moins de tous les starters? Il y a des chances que ce soit Flamigator quand même. Que je préfère un poil plus Gorythmique. Hein. Je sais pas. Je ne sais pas, j'ai un doute. Parce que j'aime vraiment pas Gorythmique hein, quand même. Hein. Je ne sais pas. Énergie feu. Oh bah Soporifique, on l'avait pas vu encore. C'est quoi cette tête qu'il a? On dirait qu'il est un petit peu ailleurs. Hein. Oh Menzi. Elle est cool cette illustration, j'aime bien. Le fait qu'elle nous regarde et tout là. Enfin genre... D'en bas. Gourmelet, on l'avait pas vu cette illustration aussi. Il en a trois. Il y a trois illustrations, Gourmelet. Je sais pas pourquoi ils font autant d'illustrations des fois pour un Pokémon. Flabébé, Pania, Charmina. Hop, on a Canarbello. Montagne est en train de se casser la gueule déjà. Nous avons Kirlia en reverse, très jolie. Derrière, j'avais spoilé un petit peu, mais Compagnol en reverse. Et derrière. Oh, bah Kourou-Singe. Enfin, une rare que j'avais pas encore eue. Bah elle fait un peu trop 3D à mon goût je trouve. Hein. Enfin je sais pas, j'ai l'impression. Ouais si, elle fait un peu 3D quand même. Hein. Bon voilà. Je sais pas, je trouve que la carte le met pas forcément en valeur. Pourtant j'aime plutôt bien le Pokémon. Bon après c'est pas mon préféré. Je préfère quand même genre par exemple Scalpereur. C'est comme ça qu'il s'appelle je crois. Hein. En nouveau Pokémon en termes d'évolution, de nouvelle évolution. Mais bon ça va. Ça va, Kourou-Singe j'ai... Ça va quand même, ça passe quoi. Allez hop, l'énergie devant pour mettre la rare et l'ultra et les reverse, tout ce que vous voulez à la fin. Coiffeton, bah Scalpion en deuxième fois, ça c'est cool parce que c'est de Soso, c'est mon illustrateur préféré. J'avoue que je le dis tellement souvent, je pense que vous, cette voix vous saouler à force. Attendez, mais en fait je vais bouger carrément mon tas de cartes là parce que c'est pas possible. Il arrête pas de tomber. Ensuite, Étourmi, elle vient pas. C'est bon, Nigirigon, Scovilin, c'est vraiment n'importe quoi hein, des fois les ouvertures ici. Hein. Charter, ensuite nous avons petit Chochodile en reverse. Et derrière, je crois que j'ai vu du doré. Oh alors, en doré, il y a les deux légendaires. Mais il y a aussi les cartes dresseurs, genre Super Bonbon ou je sais plus quoi là. Alors j'espère trop que c'est Miraidon ou Coraidon. Attendez, mais en fait, en plus, ça glisse pas du tout. Et ça accroche de ouf. Quand il y a des paillettes, ça accroche de ouf. Ah Miraidon Gold. Elle est trop belle. Oh, je suis trop contente. Miraidon X Gold, elle est magnifique. Et du coup, derrière, eh bien, nous avons un trousselin que je n'avais pas eu en rare. Mais what? Ah oh, mais celle-là, elle a carrément 3 étoiles. Mais non, mais attends, c'est quoi ces
dans cette extension, je ne comprends pas. Moi, pour moi, j'avais eu la Jack, c'était... Genre, je pouvais pas avoir plus, quoi. Mais non, la Miraidon qui tombe, là. Oh, en plus, j'avais trop peur d'avoir une objet, parce que j'ai quand même beaucoup plus souvent des objets quand j'ai une gold qu'un Pokémon. Mais là, oh là là, elle est magnifique, hein. Ça fait un espèce de tourbillon, je sais pas si je pense que vous voyez un petit peu. Même si le focus s'est barré. Mais ça fait un espèce de tourbillon un petit peu. Alors au niveau des légendaires, je préfère Coraidon. Mais j'avoue que là, au niveau des cartes, Miraidon, il rend super bien, je trouve. Hein. Oh là 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 là. Et bien écoutez, on la met sous sleeve direct. Hein. On va éviter de l'abîmer. Et on va même la mettre sous Toploader, en fait, carrément. Surtout que bah, je viens d'en racheter parce que j'en avais plus. On la met sous Toploader, elle est magnifique. Oh, je suis trop trop contente. Elle est trop belle, mais quelle ouverture. Oh, ce display est ouf. Pour l'instant, on a eu deux ultras, mais deux ultras beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien, punaise, je suis trop contente. Je suis trop contente. Mais achetez du Icarnaté violet, les gens. Franchement, le taux est ouf, je trouve. Oh, petit Caninos, on n'avait pas vu cette illustration. Elle est grave chou. J'aimerais trop avoir le Arcanin X, d'ailleurs, en Terra Crystal, là. Pareil, Tourvol, on l'avait pas vu encore. Il est grave mims. Ah, bah, le petit Tarsal, très mignon. Compagnol, deuxième illustration aussi. Grave mims, j'aime beaucoup. Motorizard, Terra Cruel, et bien la Famignole. Hop, ensuite, nous avons une première Reverse avec Tropius Reverse, qui est clairement une de mes illustrations préférées. Elle est tellement belle, cette illustration de Tropius. En plus, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Derrière, nous avons une petite Reverse avec une rare Motorizard. Donc, rare Reverse, pardon. Et derrière, nous avons... Oh non! En vert, je sais lequel c'est. Mais si, il n'y a pas que Roue de Fer que je veux pas. Il y a lui aussi que je veux pas. Oh non! Il est tellement moche, ce Pokémon! Philanthrope, ex. Pourquoi j'ai pas la Gardevoir? Mais non, ah, elle est pas beau, hein, je suis désolée. Bon, la carte en elle-même est cool, tu vois, avec les feuilles et tout, là. Hein, pareil, l'holographisme et tout, mais... Ah, faut cacher ça. Et la carte, elle est cool comme ça, non? Oh, punaise. Bon, écoutez, ça est quand même une ultra en plus. Dans l'ouverture, une petite ex. Bien dommage, pourquoi j'ai pas la Gardevoir? Ah, je veux la Gardevoir. Il reste que 4 boosters. Je sais pas du tout si là j'ai eu mon quota d'ultra et tout dans le display. Ou s'il en reste peut-être une. Je ne sais pas. Nous allons voir. Nous allons voir. Allez, énergie de base. Énergie de base. Énergie plante, pardon. Flotillon, Balignon. Bah, qu'est-ce que tu me fais? Oh, oh, ah, c'est bon. Je sais pas, des fois il part en vacances comme ça, il a envie. Charbambin, Chapignon. Et ben regardez, il nous refait la même là. Mon appareil ne veut pas m'écouter aujourd'hui. C'est un truc de fou. Fulgulero. Ah, Baron Grigou, on l'avait pas vu. Il vient de piquer des baies là. On a l'impression qu'il est en train de s'enfuir avec des baies dans les bras. Oh, petit Flotillon en reverse. Nouvelle illustration aussi, on l'avait pas vu celle-là encore. Elle est grave mims. Derrière, nous avons une autre reverse avec Tarsal reverse. Ça fait plaisir de l'avoir en reverse, celle-ci, j'avoue. Et derrière, du coup, nous avons Arboliva. Eh bien, on ne l'avait pas encore vu, cette rare reverse, rare holo. Voilà, avec Arboliva. Alors, c'est dommage parce que le fond, il n'y a pas grand-chose, hein, t'as l'impression. Il y a un lac et tout, mais tu ne le vois pas trop trop. Je pense que c'est un peu à cause de l'holographisme, d'ailleurs. Mais bon, elle est sympa quand même. Allez, encore 3 boosters. Moi, j'y crois, mon Gardevoir. Est-ce que vous y croyez, vous aussi, hein? Faites en sorte d'y croire, parce que sinon, il va pas tomber. Hein. Faut pas que je sois la seule à croire. Hein. Faut que vous croyez avec moi. Ouais, c'est comme ça que ça se dit, je crois. Hein. Énergie, oh, Pokémon 3... Alors, non, Pokématos 3.0. On l'avait pas eu, cette carte, encore. Flouette, oh, Pomme. On l'avait pas eu comme ça, il est trop mims, même si je préfère l'autre. Olivini. Ensuite, Bandeau Vitalité. Salarsen. Crocogrille. En reverse, premier reverse, nous avons Vrombi. Ensuite, derrière, nous avons un petit Tombero, donc une rare reverse. Et derrière, nous avons Karmadura, qu'on n'avait pas encore vu. Et bah écoutez, il est grave stylé. J'aime beaucoup l'illustration aussi. Hein. Ah, il a la classe, hein, ce Pokémon. Hein. J'aime beaucoup. Il a grave la classe, ce Pokémon. Hop là. Une petite rare en plus. Ça fait plaisir. Allez, avant-dernier booster. Du display entier. Et oui, parce qu'on aura tout ouvert. Après, ne vous inquiétez pas, il me reste les ETP. Enfin, à l'heure où je tourne la vidéo, hein, ça se trouve, je les ai peut-être sortis avant.
la fin du display. Mais il me reste, merci le focus, il me reste les deux ETB, j'ai aussi les tripacks. Donc on a de quoi faire Moustéboué, hop là, récupération d'énergie, Crocorrible, Flamant Roule, on l'a vu pas souvent Flamant Roulant, Fortress, ah ouais c'est une peu commune, j'allais dire que c'est une commune mais non, Flamigator Reverse, ok, ensuite en deuxième nous avons un petit Scalpion Reverse de Soso, ça fait plaisir de l'avoir en Reverse. J'aime bien les avoir aussi en reverse, les illustrations de Soso. D'ailleurs, il y en a une ultra, comme la Itourmi de la partie 2 par exemple, ou comme la, plutôt comme la Tarsal là, d'une illustration de Soso, et c'est Tombero je crois, ou Tout Tombe, je sais plus, un des deux. Et j'aimerais trop l'avoir évidemment. Et derrière nous avons Brutalibré holographique, j'aime bien ce Pokémon, il est stylé. J'aime bien en plus le fond, c'est qu'on voit que la Terre est arrondie. J'aime beaucoup l'effet. En tout cas, très joli en holographique. Mais ouais, genre, il me faut trop cette carte de Soso aussi, là. C'est vrai que j'avais oublié. Celle-ci aussi, c'est un de mes goals. Dernier booster. Je crois en toi, petit booster de Coraidon. Tu vas me faire plaisir. Et tu vas me donner une petite garde-voir, là. Qu'importe laquelle, j'en ai eu aucune pour l'instant. Il y a même... Non, je crois pas qu'il y ait de garde-voir rare. Genre lambda holographique. Je crois pas. Topico, Tout Tombe, ensuite Grondog, Périgrin, bah écoutez, on l'avait pas encore eu Périgrin, bah le voilà, Gros Tas de Morve, hop, ensuite Florge, on a le petit Rondrigou en première reverse, je crois que c'est là, oui c'est là, nous avons Étourmol, ensuite, petite garde-voir, non, Cléopsytra en reverse, ok, et la dernière carte, eh bien, il s'agit de Recherche Professorale, mais cette fois-ci, c'est Olim, et c'est pas l'autre, donc j'aurais eu les deux professeurs. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Du coup, récap du display entier, on a eu pas mal d'ultra rares, dont certaines où je suis beaucoup trop contente de les avoir eues. On a eu quelques ex, avec Philanthrope ex. Donc clairement, vous la retrouvez sur mon Vinted. Hein, celle-là, je la veux pas. Hein. Forivore ex, qui est grave cool. Par contre, le Branette ex, j'aime beaucoup. Le petit Miraidon ex, qui fait grave plaisir. Et un Léviator ex en Terra Cristal. Donc j'aurais préféré le Arcana. Mais écoutez, le Léviator ex est quand même grave stylé. On va pas se mentir. Ensuite, on a eu deux full art avec la Magnezone ex en full art. Il y a des chances qu'elle se retrouve aussi sur mon Vinted, donc n'hésitez pas à aller checker. Et aussi la Hera en carte dresseur, on va dire, full art dresseur, qui est vraiment très très jolie aussi, j'aime bien. Et d'ailleurs, dans ma première vidéo, j'ai pas arrêté de l'appeler Lona. C'est pas du tout Lona, c'est Hera. Mais du coup, voilà, très jolie. Ensuite, on a eu quelques secrètes. Clairement, il y a énormément de secrètes dans cette extension et on peut en avoir plein apparemment. En tout cas, ce sont les cartes qu'on a à la place de la deuxième reverse, donc le Topico. Trop trop contente de l'avoir eu celle-ci parce que je trouve, même si le Pokémon n'est pas ouf du tout, hein, clairement, l'illustration est insane, elle est vraiment trop trop belle. On a eu le petit Tarsal qui m'a fait grave plaisir. Il me manque, il me faut la Kirlia du coup et la Gardevoir avec, c'est obligé. Donc voilà, et le petit Étourmi qui est vraiment trop trop mignon aussi, hein. Franchement, il est magnifique, il est trop mignon. Et ensuite, nous avons une secrète dresseur full art, ce que vous voulez, avec Jack, voilà, qui s'est endormi sur son bureau. Et le must, on a eu une gold. On a eu une secrète plus là. On a eu le Miraidon ex gold. Qui est magnifique, magnifique. Franchement, c'est la carte de ce display. On va pas se mentir, mais on a eu plein de cartes dans ce display. Donc voilà. Je sais pas si au niveau du quota, je suis bien. Enfin, genre c'est normal ou si j'en ai eu plus que ce qui n'était prévu. Mais en tout cas, si on compte, on a eu 5 ex, 2 full art. On a eu aussi 3. Secrète basique. Je sais pas. En fait, il faut vraiment qu'on me dise comment faut appeler ces cartes. Je ne sais pas. Hein. On a eu aussi, du coup, une secrète plus avec la Jack et une secrète plus avec le Miraidon X. Franchement, beaucoup trop contente de cette ouverture de display. J'espère en tout cas que ces trois parties vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Avec tout ça, j'ai vraiment trop trop hâte d'ouvrir les ETB, les tripacks, etc., etc. Franchement, ça va être trop bien. J'ai aussi les trois Pokémon
ces box de Zénith Suprême à ouvrir, donc j'ai hâte de les ouvrir aussi. Et du coup, bah moi, en attendant une prochaine vidéo ou un prochain live sur Twitch, n'hésitez pas à me dire votre cap préféré en commentaire. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.